My name is Sophie Daragi and I'm Secretaire Générale. Hidden, you said? Yeah, because it's inside. You can't imagine, you have a theater when you see the building. It's classical, you can think there is only apartments. I start here to work, you know, like a job to work at the cafe. And I stay. À un moment donné, ils ont changé de nom. C'est Théâtre Molière. Mais il y avait quand même le photographe des Bouffes du Nord. En haut, le nom. Et c'est redevenu Bouffes du Nord après. Parce que, en fait, le théâtre, à l'origine, quand il a été construit, à l'origine, en 1876, c'était un théâtre à l'italienne. Very classical, with, you know, you have some gold, you know, on the balcony. Very fancy, yeah. C'est Peter qui, quand Peter a voulu s'installer à Paris, il cherchait un endroit et c'était Michel Guy, c'est ça? Je pense que c'est Michel Guy qui était directeur du Festival d'automne, qui était directeur du Festival d'automne à l'époque, qui avait entendu parler de cet endroit, qui avait été un théâtre, qui était fermé, et il a demandé à ce que si Peter pouvait visiter. You know, and when Peter create, I remember. I was there, Mahabharata. La salle n'était pas numérotée et les gens attendaient et la file arrivait presque Gare du Nord. Mais il y a quelque chose de très spécial dans cette salle. Ce théâtre, il a vraiment une âme. Donc on continue dans une... c'est une vraie continuité. Je crois qu'il a amené cette âme-là et elle reste là avec la nouvelle direction. Et des gens plus jeunes et d'autres spectacles, mais ça reste quand même... c'est en fait, ça continue à être sa marque. Non, une semaine normale. On fait des choses qui sont... On fait beaucoup de choses qui sont très différentes, donc on a des publics très différents. Et aussi, on a des publics qui se croisent, qui viennent voir... on a toujours le public de Peter Brook, et en même temps, on a un public qui est extrêmement mélangé. On a un public pour la musique, on a un public... Parce qu'on travaille beaucoup aussi avec de jeunes metteurs en scène. Donc c'est très mélangé. Parce qu'on a une tradition de faire des choses avec les habitants du quartier. C'est un théâtre de quartier. We are a small crew. Donc, it means that we are kind of very close. So it's a little bit, yeah, still is like a little family, yeah. We can say that.